Salutations YouTube. Maintenant qu'on a refait 4-5 parties, 3-4 parties et qu'on est à l'aise avec le jeu à nouveau, je pense qu'il est temps de s'attaquer à Tainted The Lost. À Tainted The Lost qui, je le rappelle, a quand même fait Delirium, Mega Satan, Hush, le boss Rush, The Beast. C'est surprenant, non? Ok. Alors on aurait un petit Satan, The Lamb, ou Mother, au secours. Et le Greedier Mode, bien sûr. Donc il commence avec une Holy Card, bien sûr. Alors je rappelle, hein, The Lost, donc il a les Better Items. C'est-à-dire que les objets qui sont sortis de sa rotation d'objets, c'est typiquement les HP Up, quelques objets pourris qui ne lui servent pas, mais il reste des objets de merde quand même. Il n'a pas de Holy Mantle, donc on se fait toucher, on meurt. Mais il commence avec Holy Card. Voilà, ça me donne un Holy Mantle. C'est-à-dire là, je me fais toucher. Ah, dommage. Oh non. Oh non, mais... Non. 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 Oh le con, attendez, non. Oh ça, c'était nul. Ah bah oui, je faisais la démo. Oh la dingue. Gain. Ah, la C-section. C'est pour tirer des fœtus. Ah non, attendez, c'est quoi? Ah oui, mais non, mais les fœtus, c'était incroyable parce qu'on avait eu Soy Milk avec. Et le combo Soy Milk C-section, c'est qu'on tirait des milliards de bébés non-stop. Tandis que là... La césarienne. Donc... Ah oui, ils sont homing. Ah oui, non, mais... Oh! Mais c'est fumé. Oh oui. Oh, un petit Bob's Rotten Head là pour bien se mettre la presse. Y'a quoi? Envie de canac. Bon, 5% de chance de proc de l'invincibilité. Bombes. Oh les Razer, la gomme. Je sais plus ce qui est ouf à gommer. À goumer. En gros, la gomme, vous l'utilisez une fois par étage. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois par étage. Et ça enlève l'ennemi que vous effacez avec intégralement du jeu, de votre partie. C'est marrant. Il va nous falloir du tier rate, hein, sinon ça va être cauchemar, non? Bon, le C-section fait très mal en tout cas. Hein. J'ai pas besoin de bonne art. Motherfucker. Ouais, mais c'est que les objets de revenge, donc à part Missing Page. Bon, j'ai eu mon tier-zap. On part pas vers les étages alternatifs, non? On va pas faire ça. Est-ce qu'on veut faire Mother, vraiment? Partons pour l'instant sur The Lamb. Oh non, 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 mais non, pas Burning. Non, non, c'est dur, c'est chiant. Aucun plaisir. C'est vraiment fort C-section. En fait, c'est super fort en plus parce qu'on est en Spectral Tears, hein, bien sûr. Avec... Putain, c'est vrai que ça rebondit de merde. Avec The Lost. Ça se trouve, c'était là, mais ça a tellement rebondi comme de la merde qu'on ne le saura pas. Oh là là. Oh la sale ambiance. C'est vraiment fort. Hein.
Il faut que je prépare mon C-section avant de rentrer dans la pièce, c'est l'opti. Shop first, hein, peut-être. Il y a peut-être un moyen où on y accède sans la clef. Je crois que c'était bouché dans la droite. Ah non. Oh, le magic moche là. Regardez bien. Minecraft. Un peu nul. Peut tenter le sac. Oh non, ça m'avait rendu taré ça. Attends, mais ça dure longtemps en plus. En gros, ça spawn un petit pote, voilà, qui imite mes mouvements. Et il peut pas me toucher. Le problème, c'est qu'il faut s'en souvenir qu'il peut pas me toucher. Pour s'en souvenir que c'est notre copain. Ouais, ça va me rendre dingue, ça va me rendre taré. Par contre, c'est un sacré mob, hein. Comme premier proc. Oh là là, il est fumax! Il est complètement fumax! Ok. Oh, c'est dangereux ça. Et vous attaquez les putains de flammes là. Ok. Je vais me faire toucher par une merde. Je sais pas si je veux les mégatons. Hein. En fait, il imite mes mouvements, mais quand je tire, il arrête de bouger quoi qu'il arrive. En fait, le problème du bouquin, c'est qu'il peut vraiment me pop des trucs qui vont me foutre dans la merde. Je vais le prendre pour Bookworm. Je vais garder ma merde, ça m'amuse. L'important c'est d'avoir du fun, max de fun. Les flammes font bouclier. Ah oui, c'est vrai que ça c'était un avantage non négligeable. Bah dommage. C'est Mother avec C-section. Non, il balance des bombes, lui. Ah, c'est Dedge. Ah, je me suis fait toucher. Capte pas. Il fait quoi, lui? Il fait rien. Oh, bah non, mais c'est mort. J'ai plus mon Elemental. Oh, c'est pas grave, je vais me balader avec mes potos. Allez, hop. T'en mords les doigts si tu fais pas de Mother avec ton C-section. Ah bah merde alors. Et de toute façon j'ai plus de protection donc c'est Dedge. Voilà, fin de run. Il a perdu de la vie. Alors, de souvenir, il peut pas me tuer. Hein. Oui, voilà. Restons calmes. Oh, j'avoue qu'avec ces deux trucs-là, Mother, dommage. Mais bon, à partir du moment où je me suis fait toucher, j'ai give up. Hein. C'est ça le problème. Je vais pas me faire toucher, quoi. Ça se trouve, je vais mourir dans deux frames. Hein. C'est réel.
En fait, le problème, c'est que je me suis trop concentré sur mes potes, alors qu'il faut que je me concentre surtout sur mon C-section, quoi. Oui, c'est vrai que s'il explose ce champi, par exemple... Vas-y, d'ailleurs, merci. Ah, mais je peux utiliser pour... J'ai même plus besoin de bombes. Ce qui est un peu dommage, parce que j'en ai drop une dizaine dès le début, donc en vrai... Vas-y, casse le champi, là. Ok. Yes. C'est un bro. C'est un incompris, c'est tout. Casse le mendiant, là. Vas-y, on va ouvrir le magasin avec ça, ça va être très bien. Par contre, je suis con, j'aurais dû garder mon autre truc et seulement le prendre au moment où j'étais à côté du magasin. Que ça, il faut que je continue à spammer, hein. c'est débile. Putain, rip, Sage, Mother, quoi. C'est pas grave, on va trouver une reset key. Jamais. Le run va se terminer dans 2 minutes, c'est beau, hein. C'est beau cet optimisme. Ah oui. Ah, du coup, c'est moi qui lui dis où tirer, il tire dans les deux directions. Oh, le crack. La dingue, en vrai, hein. Quoi cette mouche bombe? Pourquoi il y a la mouche bombe? Putain, ça garantit qu'un objet sera en solde cette merde, mais évidemment fallait que ça soit ça quoi. Mais il y a une batterie. Je vois rien. Putain, j'étais convaincu que je regardais les autres idiots. Mais ça. Pas grave, je peux défoncer la machine de don. Très bien. Oh non. Judgment. Le run cauchemar. Et surtout, il me colle au cul, donc oui, quand il y aura un champi, genre là, il me foutra bien dans la merde. Oh, elle est souillée, dommage. Donc on va avoir deux objets dans la salle de trésor. Non mais je peux pas me faire toucher, quelle bouffe. La holy card quoi. 2 sur 3. Chocolate milk. En fait vu que je charge déjà pour tirer mes 6 sections, est-ce qu'il y a un combo en fait avec chocolate milk? Ou c'est nul? Sinon je prends le deuxième bookworm. Non, y a pas. Oui. Non, oui. OP craqué.
Nope, sert à rien. Putain, mais le chat... Genre, personne ne sait. Personne ne sait. Et tout le monde s'exprime. C'est exactement comme les élections. Attendez. Ok, ok. Bon. Je vais pas m'énerver. Je ne sais pas. Je ne sais pas du coup. Pas de combo info mode. Ok. De toute façon, on va partir sur Bookworm. Hein. Je claque ça. Je garde quand même mon truc du schnapps parce que c'est le fun de ce run qui va se terminer dans 5 minutes. On aurait pu chercher la super secret. Grosse flemme. Attention, fin de run, incoming. Un Magic Mushroom là quand même. Hein. C'est un The Pact, clairement, non? Oui, Tears Up, tout ça. Attends, je suis où? Je suis où? Je suis là. Ah, peut-être qu'on regrette en effet ce Run Mother. Alors, du coup, je cherche quoi, du coup? The Lamb, hein. Satan The Lamb. Pourquoi ils sont déclenchés tout seuls, bonsoir. Faut juste que je fasse attention qu'il n'y ait pas de champignons quand j'arrive. Genre là. Je crois que j'ai le temps de décale, hein, le temps qui... Vas-y, un petit Magic Mush, là. Il s'est empoisonné, du con. Bonsoir. Il a failli me tuer, hein, réel. Allez, un nouveau pote. Oh, mon Dax, double squelette. Vas-y, Empereur, c'est pas mal du tout. Chariot aussi. Y'avait pas une curse? Vas-y, Empereur, on va la chercher derrière. Hein. Y'a pas une curse au tout début? Non. Merde, il va falloir que je retrouve ma Z Empereur derrière. Je vais mourir. Il va se passer un truc, j'en suis sûr. Oh, encore un poussin. Oh mais j'ai perdu plein de monde à cause des bombes, oh, j'ai plus personne. Sage. Ah le pacte nous a bien aidé quand même hein. Le T-rate. C'est vrai que C-section c'est incroyable hein. Ah mais j'ai plus mon mec qui bombe pour tester les champis là. Terrible. Ah IPCAC. Pas sûr. Et t'as kick, je sais pas comment. Je sais pas ce qui synergise. On va prendre des Tech X, hein, de toute façon. On va pas prendre IPK, ça c'est sûr. Ah oui, je crois qu'on avait eu ça. Eh, j'ai perdu tout le monde. Ok, Mushman. Oh, BFF, OMG. Si ça marche, mais faut tester. Donc je récupère mon Z-Emprunt. J'ai pas trouvé de curse du coup, mon chariot. Ah bah si, je peux squatter un peu de thunes. Oh, putain, où je suis où? Oh là là.
Dur de se repérer, hein. Bon, allez-y, on prend, si on prend. C'est surtout cette carte qui m'intéresse. Pour trouver une... Ah putain, je l'ai petit suicidé, il me reste plus que les sangsues, c'est énorme. Bon. Qu'il va me faire lui. Il a l'air. Ah oui. Oui. Here is a peu. Débloquer la haut-card. Oui. Oh, le family qui fait des dingues. C'est quoi ces eaux électriques? Mais ah, mais il summon des Joséphine Ange Gardien, mais c'est complètement broken. Je l'avais jamais vu, lui. Je l'avais jamais vu, le petit plaisantin qui soulève un coffre. Il est sorti d'où? C'est un mimique, mais on peut le spot. Alors j'avoue, je pourrais cut la VOD ici, elle est tellement incroyable. Non mais non, parce que si la VOD fait 20 minutes, ils sauront que j'ai pas terminé. C'est très important. C'est très important de faire une VOD longue. Quand je dis il, c'est vous en fait. 9 volts, on n'a pas vraiment envie de faire du corps à corps avec The Lost, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, 120 volts. On va faire un peu de reset. Hein. Quoique c'est long. Non, on va... C'est long d'avoir un hard, d'avoir une... Oh, le 1%. Oh, le 1%. OMG. Holy God. Et si c'était pas de la merde? Oh, je vais perdre. Je vais perdre. Je déteste, j'ai perdu mon... Ah oui, c'est ça, je charge et quand je relâche... Ouais, c'est rigolo. Non, pas les mouches vertes. Ça, c'est terrible, ça commence très mal. Que des mouches que je déteste. It's ok. Ça c'est Osef, hein. Bon, j'ai marqué à part Small Rock et encore qui me ralentirait. Les Soul Art servent à rien. Je sais pas si je l'ai fait les rochers marqués. Bon, y'a un vase, allez. Ça sert à rien. Au moins, on s'est remboursé la bombe. Il y a de cèdre, là. Ah oui, c'est plus dans les coffres comme ça. Gulp for the Lost, bah non, si on avait eu Keeper, je dis pas, mais... Putain, ils me font utiliser toutes mes clés pour de la merde embarquée, je les déteste.
Oh là. Hein? J'ai eu peur de toucher le caca. Rien, je vous manque. Oh, le jus de Jésus. Ah, le PBE, ça y est, il est up. Le PBE du 7-7 de TFT. Ah. Info intéressante, ma foi. Peut-être qu'on ira faire un tour au PBE de TFT, là, le 7-7 avec les dragons. D'autant plus que ça se trouve, je vais pas pouvoir être là pour le lancement du set officiel. Autant commencer à grappiller les infos maintenant. J'ai vu quelques vidéos, mais... Wow, nice. Bon, si c'est chaud, je claque Zee Empress. Pour l'instant, ça va. Oui, je paye pas. C'est quoi cet angle de merde, putain, mais pourquoi j'ai pas claqué Zee Empress, putain, ça y est. Le run commençait bien, j'avais des rêves, j'avais des envies. Ah, c'est bon, il y aura une Holy Card au shop, il y aura une Holy Card au shop. Ah, le roi des bouffes, quoi. Purglings de merde. Juste vérifier un truc. Ça, ça charge plus vite quand j'ai du tears up en plus, j'ai l'impression. Pourquoi je suis allé là? Oh, superbe shop. Fait plaisir, hein. Sublime. Vous inquiétez pas, il y a le better item qui arrive. On va tous pleurer de joie. J'en ai plein le cul, j'ai pas envie de jouer un build de bombe là. J'ai eu homing bomb et ça quoi. Attends, on a peut-être un accès à la curse. Oh, ça sent en plus l'accès à l'arcade, mais bon. On peut toujours rêver. Hein. Ah, peut-être. Plus une bombe, spawn skipper en deuxième personnage. Quand il meurt, spawn les araignées bleues. Et détruit complètement cet objet. Les salles de Devil Deal coûtent des pièces pendant qu'il est vivant. Il peut attraper des objets, comme des objets de l'histoire. Les enlevant de manière permanente quand il meurt. Quoi ? Inutile sur The Lost. Bah oui, moi je veux payer, mais le problème c'est que pour la collection je dois le prendre. Attends, mais c'est le même délire, oui, avec R2 je le contrôle. Bon, si je veux le tuer, je peux le tuer quoi. Attends, si c'est lui que j'envoie, si je l'envoie lui. Vas-y, va à l'Arcade Room. Oh, mais je me suis fait baiser quand même, hein, on est d'accord. Il y a le analog stick dans le gacha. Enfin, je le tue parce qu'au final, moi mon Devil Deal est gratuit, donc je le déteste. C'est officiel. Bien si je joue des salles de sacrifice. Ah, j'avoue. Ah oui, je peux l'envoyer en curse déjà. Ah oui, putain. C'est à l'envers. Faut penser à l'envers. Oh, il sert à R. Je le déteste. Oui, je peux aller en curse depuis la secret. Oui, oui. Désolé, je regardais ce qu'il faisait lui. Ah, je le hais.
c'est vraiment une merde. Qu'est-ce que tu fais, Doudou, dis donc. Ah d'accord, il duplique ma bombe, moi, hein, quand t'es... On est en Jacob Ezotière. C'est superbe. Ah, je peux pas continuer à jouer en Connarman de Keeper Nul. Au moins, on l'a débloqué. Enfin, on l'a pris dans la collection, quoi. J'ai pas envie de chercher un vrai starter, alors je devrais, hein. J'ai aussi ça que c'est rigolo, mais ça a jamais fait un run, quoi. Mais regardez, regardez ces coffres. Attendez bien. Hein. Vous allez voir. Hein. Oh putain, mais c'est con, on avait commencé quand même avec le planétarium 1%, hein. C'était pas dégueulasse, hein. Regardez bien. Ok. Ah bien. Bon. On n'a pas de starter mais on a des rêves. Ah ma clef là. Oh non. Rip, rip. Les ennemis les plus forts du jeu. Les mouches vertes. Ah il me faudrait Hive Mind là. Hive Mind, le fameux Hive Guillemot Mind. Parce qu'en vrai... Je spawn des mouches, je spawn des araignées. Oh. I play Pokémon Go every day. Mais bien sûr, la Holicarne. De secours. Vous avez vu? Oui, un rocher marqué qui pue. Mais regardez, ça a pué la merde. Hein. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Hein. Merci à tous. Oh là là, on va avoir un Meat Boy du coup. Bon, c'est probablement une bonne nouvelle. Ouais, enfin non, pas... Qu'est-ce que je fais? Ah vraiment, en vrai, je... Mais quoi, putain, mais vous êtes mort, mais sérieux? C'est quoi cette box? Oh là. J'ai acheté une holicarte pour me faire baiser comme ça, là. Un baiser bien baisé. Pas de panique, ce ne sont que des pixels. Ok. Ah oui, non, mais c'est pire que tout. Mais je vole déjà, du con. Mais je peux faire les curses, du coup. Attends, c'est le même principe, hein. Insane. Ok. Quand même déçu, hein. Ma holy card là. En même temps, j'ai pas de starter. Hein. C'est un peu demandé. Hein. Bon. Oh non, mais putain, Curse of Darkness, Burning Basement, la mort du fun. Qu'est-ce que vous faites? Soul of Azazel. Ah, c'est marrant, Soul of Azazel. On va blaster un boss là. Un petit Hive Mind là quand même, hein, pour aller grosses mouches, les grosses araignées là. Cool story, bruh. Faudrait des clefs. Merci. Oui, magasin là-bas. J'ai de l'argent. T'es jamais. Oh bah. File que des clés. Énorme. DPS vous manque. Boss par là, mais c'est pas grave, on y va, on avance. Ah, il y a les deux. T'as chié? Merci à tous.
Ah, c'est 4 charges, c'est pas 6. C'est peut-être mieux que le horse. L'horse me donne de la vitesse, hein, cependant. Il me donne plus 0,5 de vitesse. Je garde mon petit cheval. Unicorn fait des dégâts, quoi. Regardez, vous êtes prêts, regardez. Sublime. Ça chie. Ah mais lui il invoque pas le sombre. C'est juste des bouffonneries. C'est le meilleur. What a bro. Avec le ralentissement en plus du juicy sac. Ah on a du speed up. Donc peut-être qu'on va passer sur Unicorn du coup. Hein. Incubus bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah par contre c'est con parce que j'ai Juicy Sack déjà. Je suis un peu sage, non? Il est derrière. Ah non, il se met toujours près de moi, c'est vrai. Est-ce qu'on part vers Mother ou on prend le chemin classique? Ah Mother, je maîtrise très mal, je connais très mal. Faudrait un vrai starter pour Mother, genre C-Section quoi. Oui, j'ai dit que je passais sur Unicorn, hein. Ah, gros cacaboudin. Bon plan du soir, sachez que le jeu Koh-Lanta sur Switch est en promo seulement 27€. 27€ en promo, putain, quel enfer. On s'attend, hein. Ah, c'est Gotaga teste le 7 là. RIP. RIP Gotaga. C'est marrant parce que Gotaga, on disait que c'était un peu le ninja français, mais ils ont deux mindsets très différents. Et on en parlait hier avec Zera de ninja de la grande époque. Parce que ninja, lui, quand il prenait 12 minutes de vacances, il avait envie de crever parce qu'il savait que 12 minutes de vacances égale 24 000$ de pas gagner. Il dit que Gotaga, lui, il a arrêté de stream pendant un mois pour essayer de gagner la Zilan, qui même en la gagnant lui rapportait moins d'argent. Mais je regardais pas, voilà, c'est génial, putain, mon chat dans la foutre, c'est qu'un jeu vidéo, j'ai pas que ça foutre de ma vie. Oh non, alors ça c'est trop ça. Oh non, non, on était si bien partis, on a vu le reset de la carte là. Oh non. Oh putain, vas-y, j'en ai plus rien à foutre. Là on a des dégâts. Le reste on l'a pas par contre. On a 9 de dégâts, hein. C'est juste... Franchement après 25 tiers up, le build il va être crème. Ça a l'air mal parti, mais vous inquiétez pas. Trop chiasse en barquet. Mes objets du HUC. Oh, les objets qui puent le fiac. Ok. Ça
Les fameux better items, hein, bien sûr. Ça y est, j'ai 11 de luck. Il ne nous reste plus qu'à avoir le Ghost Pepper. Quoique en vrai, ça me casse. C'était bien le Locust, hein, mais bon, je suis obligé de dire de garder le A+. Hein. RIP. Fin du run. Parce que j'ai perdu mon... Putain, j'ai perdu mon invincibilité en faisant le bouffe là, parce que j'expliquais, je parlais de Gotaga et de Ninja. Un petit gulp dans les pilules. Ah oui, c'est... Quoi, comment ça? Pourquoi ça me parle de gulp dans les pilules? En plus, les pilules, elles sont dans la curse room. Ah oui, pour avaler le trinket. Ah oui. Ah, parce qu'il y a une pilule dans la boss room, là. Ah, ça marche pas avec le A+. Oui, normal, oui. Parce qu'il y a infini, il n'y a pas assez. Si un G là, elle fonctionne pas. Bon, j'ai gardé le A+ sans grande conviction. Hein. Énorme. Je vise quand même le shop first en grid ultime. En vrai, on est fort. Hein. Tous les araignées qui bénéficient du 9 d'attaque. Par contre, j'ai plus le locust. Dommage. Oh. Il arrive, il est là, vous le savez. C'est imminent. Quelle émotion. Tellement lent. Quelle gauche. Oui, mais attendez, le coffre mimique là, c'est nouveau ça, je le connaissais pas. Donc ça se trouve, je vais me faire baiser parce que je sais pas le reconnaître. J'espère qu'il y a un signe distinctif quoi. Oh oui. Je viendrai le reprendre. Et du con. Reconjoin, ouais, c'est ça. Même c'est est-ce qu'on lâche le A+, quoi. Toujours le même problème, quoi. Ah. J'ai pas regardé la Super Secret, du coup. J'avais fait un double unlock, non ouais. Le Beggar, peut-être. Ah, j'aurais dû garder, ouais. Bon, est-ce que je ferme vraiment du pognon? Pas sûr. Bon. Faut localiser le shop, d'abord.
Retrouver un gulp et l'avaler. Ah oui, l'autre. Ouais. Non mais j'ai pas testé les pilules, hein. C'est toujours pas d'actualité. Hein. Ça, c'est incroyable. Mais on est parti sur des... Devil Deal. Filigree Phaser, c'est formidable. Attention. Ok. Ok. Tu peux gulp les A+, vérifier à l'instant sur le wiki. Alors quel wiki? Wikifit? Quittez vos sources. Alors. C'est marrant ça. D'accord. Bon, en vrai c'est cool de jouer avec la donne parce qu'il y a tellement de trinkets. Il y en a, tu peux pas naturellement comprendre. Ah. J'ai pas eu peur. Est-ce que Shaul of Azazel lui? Non. Mais c'est quoi cette hitbox? Non mais c'est sérieux! Je me suis dit que j'étais archi safe! Ah, c'est pas clair! Il a pas de pied, ça devrait pas marcher! Mais je suis déjà Spectral Tears. Ah oui, c'est le OZEF est total. Oui, c'est ça, c'est un sang inutilisable. Pour se protéger en vrai. Pur défensif. Ah, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Être incroyable. Moi j'ai toujours bien aimé le chocolat milk. C'est juste que ça oblige à bourrer la manette comme Jaja. Ah, du coup je passe sur YBAX mais... J'ai jamais utilisé ma holy card, je suis un génie. C'est parce que je savais que j'allais jamais me faire toucher. Peut-être que je me fais toucher parce que j'utilise la holy card. C'est ça le problème, je pense. Ah, une auberge. T'entends. Ça se passe bien pour l'instant. Oh! Chop first alors. J'ai pas de clef. Oh! Oh l'esquive! Oh le Jedi!
Oh, c'est fort ça. Hein. Très fort, et en solde, comment refuser? C'est la bleue? Ouais, pff. Un peu de la merde, hein. Prends un run sans starter. Ah si, chocolate milk. Vaut gratuitement les mendiants avec. Ah oui, c'est vrai, ça fait ça aussi. Ce n'est pas une info de chat. Excusez-moi, on est tellement habitués. Ah oui, par contre, c'est pas spectral. Dommage. Contrairement au Ghost Pepper. Ghost Pepper. Mon rêve. Incroyable. Ah, toujours, hein. Toujours Devil Deal avec lui. Oh la merdasse. Do you like the big merdasse? Enjoy, non? Nice merdas. Non, non, pas Angel Room. Ah bien, il y avait l'auberge. Bon, on l'a complètement bypass. Ah. Moi j'y crois. C'est le run. This is the run. J'ai peur. Oh, sérieux? Merci. Chop first, non? Ouais. Crowded case, oui, toujours un plaisir. Mama méga. Ouais, ça assure pas la, le Devil Deal, Mama méga. Ouais, c'est juste Boss Rush, Hush, Secret Run. Le problème, c'est que, ouais, enfin, Blue Flame, la chandelle, elle me sert trop, là. J'ai pas à me trimballer avec juste Mama méga qui attendra son heure, quoi. Pas convaincu, quoi. Ah, Luigi Tango. Bisous. Eh oui, Isaac, c'est la vie. Hop là. Les grosses bombasses. Je vise quel boss? Vu qu'on est Flooded Case, maintenant on vise Satan The Lamb. Et rien d'autre au final. Car on a fait, incroyable mais vrai,
On a fait Méga Satan, on a fait Delirium. Quand même 12 bombes, hein, serait dommage de pas exploiter ça un peu. C'est vrai qu'on a eu Mister Mega et Mama Mega. Ah oui, Gridior, non, on n'a pas fait Gridior Mode, non. Ouais, non, ça on n'a pas fait, non. Il y a quelqu'un, ouais. Plaisir. Ok. Mm-hmm. Et eh ben c'est pas fou. Non, Mama Mega, je pense que c'est un grand nom. Hein. Le Dark Bum, non mais même pas, ça servira à rien. Ah merde. Arrgh. Pas de blague. Attention, les blagues arrivent, je le sens. Tu vas sauter quand là? Pas fou, hein. Alors vous fou, hein. Oh putain, oh, le coffre mimique qui va me baiser, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, hein. Urgh. Qu'il y a de quoi le repérer. Hein. Vous soyez vigilant sur les coffres, ne pas rusher. Et comment ne pas rusher un coffre, quoi? Est-ce que c'est physiquement possible? Pas de Magic Mush, je suis deg. Olé! Ah ouais! Super setup, ça! J'avais oublié qu'il allait me faire de la bombe. Eh ben, il n'y a plus d'Olicard. Allez, super. Go reset. Moi, j'y crois. Putain. Je suis con. Oh ouais. Papa. J'ai beaucoup d'efforts pour ça, hein, mais à voir. Sale histoire. Sale histoire. Ah mais c'est vrai que... Oh là là, mais comment je vais faire? Oh. Je sais que j'arrivais pas à m'endormir l'après-midi parce qu'il y a Game of Thrones demain soir, Justice épisode 3. Ça va être trop bien. Mais j'ai ma visite à 9h du mat de l'eau. Et bien voilà YouTube, c'était notre petite session... Tainted the Lost. On va bientôt passer à un vrai personnage. Des bisous.